évidemment à toute l'équipe et particulièrement à la professeure de danse qui a su entraîner avec joie et dynamisme, je crois, tous ces jeunes et moins jeunes d'ailleurs qui se sont prêtés au jeu. Je voudrais saluer aussi la qualité artistique du film de Colette, parce qu'elle a su capter. Capter les émotions, elle a su mettre en valeur ces jeunes et toutes les personnes qui sont avec courage, qui se sont prêtées à cet exercice. Et on a tous le sentiment, parce que la danse, j'adore la danse, moi je sais que c'est quelque chose qui libère, c'est une communion avec l'autre. Et je crois que cette façon de transmettre le vivre ensemble, on le dit beaucoup, mais je crois que c'est autre chose que ça. Il y a une émotion, il y a un contact physique et se toucher, c'est aussi apprendre à connaître l'autre. Et c'est quelque chose de magnifique parce qu'on est tous là, parce qu'un jour ou l'autre, un homme, une femme se sont touchés, se sont rencontrés. Donc voilà, c'était vraiment de chaleureuses félicitations à vous toutes et à vous tous. On a vu que Bruno avait très très bien progressé. Je crois que maintenant vous pouvez l'amener dans toutes les salles, pourquoi pas à la télévision, parce que maintenant tout le monde s'y prête. Enfin voilà, vraiment félicitations à vous toutes et à vous tous, et peut-être bientôt d'autres projets. Et je suis ravie que la ville de Sedan ait pu vous accompagner dans ce projet. Je suis ravie qu'Ardennes Métropole, dans le cadre de la politique de la ville, ait aussi accompagné ce projet. Et je crois que nous devons continuer ainsi à faire ce genre de projets qui sont forts en cohésion sociale et qui sont forts de messages d'humanité. Voilà.